Frick, faut que je te dise un truc, je suis super sérieux. Ah, tu sais que tu me fatigues, là. Bientôt, les Kardashians, ils vont venir me chercher pour m'amener sur leur planète natale. On va faire des collabs. Je crois qu'il faut que tu bois un truc, là. Hein. Ah, t'as raison, parce que si je suis déshydraté, ils vont pas pouvoir me... Ah non, mais là, il fait trop chaud, Patrick, faut que je tape, là. Quoi? Faut que je pète, Patrick, là. Je comprends pas. Pour me rafraîchir. Quoi? L'air à l'extérieur, là, et c'est de l'air, il est chaud. Ouais. Si moi, je tape de l'air plus frais que ce qu'il y a à l'extérieur, ça va me rafraîchir, comme une clim, quoi. Faut que t'ailles boire de l'eau, quoi. Ah, vas-y. Salut, moi, c'est Bob. Merci d'écouter Radio Bio. Dans un instant, nous allons parler des toilettes sèches et de ses vertus cognitives. On s'écoute un petit peu de piano, et puis après, n'hésite pas à m'envoyer de l'argent. Je peux vous aider? T'as pas un peu d'eau, mec, s'il te plaît? De l'eau? Ouais. De l'eau qu'on met dans du plastique, qu'on met dans de l'eau pour faire le 7e continent? C'est de cette eau qu'on parle? C'est pas hyper éthique? Bah, sinon ça, là. Ça, c'est 10,50€. Mais monsieur, il est en train de mourir, là. 10,50€ pour un jus de truc, c'est pas un peu abusé, là? Du jus de truc? C'est du jus antioxydant, avec des baies de goji, de l'açaï du Brésil, de la pulpe de grenat, tout ça fait par des paysans soudanais LGBT. Jus de truc. T'as pas l'eau du robinet? De l'eau de quoi? Celle qui sort du robinet, quoi. De l'eau du robinet. Mais vous respectez rien, en fait. Bah non. Ben voilà, ça se fait de l'engrais, sale bobo de merde. Oui? Bah oui, partez avant que j'ai de la répartie. Bah c'est fermé. Oh, ta mère la vieille, hein. Pardon. Eh, ça va. À la base, c'est moi la victime, hein. Mais cet été, tu pars où, toi? Bah,